Mes chers amis, on a fait deux ans pas très faciles. Il y a des gens tapis dans l'ombre à la Fédération qui n'accepteront jamais et croient qu'il fait du mal à Antonio Soare. Ce n'est pas Antonio Soare. J'ai mon académie, j'ai mon terrain. J'ai rénové le stade de Nongo, allez voir, 54 milliards, ce n'est pas caché, ça y est là-bas. Et ensuite, j'ai une télévision de sport, une radio de sport. C'est ce que moi j'ai mis à la disposition du football guinéen. Celui qui veut me critiquer ou m'insulter, qu'il ait aussi l'amabilité de dire, voilà, moi aussi j'ai déposé ça dans le sport. J'ai mis ça à la disposition du sport. C'est ça la vérité. Trop, c'est trop. Donc, quand on arrive à ce niveau, il faut faire la part des choses. Quand vous n'avez pas de vie de famille, vous n'avez rien, et que n'importe qui peut cracher sur vous, il faut que ça s'arrête. Et désormais, je ne reculerai devant personne. Je vous le dis. Je vais en mission ce soir, je reviens samedi. Et je vous convoquerai aussi pour vous donner la nouvelle administration de la Fédération. Merci. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile de prendre de telles décisions. L'entraîneur s'en va avec tout son staff. Il faut le comprendre. Donc, tout est à refaire. OK ? Local et expatrié. Local et expatrié. Ah.